présentation, il est interdit de prendre des photos avec ou sans flash ou de filmer. Nous vous rappelons également que vos téléphones portables doivent être impérativement éteints, sans vibreur, sans signal lumineux. Merci de votre attention et bonne soirée. Ayez la bonté, monsieur, de vous asseoir un moment dans cette salle. Ayez la bonté, monsieur, de vous asseoir un moment dans cette salle. Mademoiselle Marton est chez madame et ne tardera pas à descendre. Je vous suis obligé. Si vous voulez, je vous tiendrai compagnie, de peur que l'ennui ne vous prenne. Nous discourerons en attendant. Je vous remercie, ce n'est pas la peine. Ne vous détournez point. Et voyez, monsieur, n'en faites pas de façon. Nous avons ordre de madame d'être honnête, et vous êtes témoin que je le suis. Non, vous dis-je, je serais bien aise d'être un moment seul. Excusez, monsieur, et restez à votre fantaisie. Te voilà. Oui. Je vous guettais. J'ai cru que je ne pourrais me débarrasser d'un domestique qui m'a introduit ici, qui voulait absolument me désennuyer en restant. Dis-moi, Monsieur Rémy n'est donc pas encore venu ? Non, mais voici l'heure à peu près qu'il vous a dit qu'il arriverait. N'y a-t-il là personne qui nous voit ensemble ? Il est essentiel que les domestiques ici ne sachent pas que je vous connaisse. Non, je vois personne. Vous n'avez rien dit de notre projet à M. Rémy, votre parent ? Non, pas le moindre mot. Il me présente de la meilleure foi du monde, en qualité d'intendant, à cette dame-ci dont je lui ai parlé et dont il se trouve le procureur. Il ne sait point du tout que c'est toi qui m'as adressé à lui. Il l'a prévint hier, il m'a dit que je me rendisse ce matin ici, qu'il me présenterait à elle, qu'il y serait avant moi, ou que s'il n'y était pas encore, je demandasse une mademoiselle Marton. Voilà, tout. Et je n'aurais garde de lui confier notre projet, non plus qu'à personne. Il me paraît extravagant à moi qui m'y prête. J'en suis pourtant pas moins sensible à ta bonne volonté, Dubois. Mais si, tu m'as servi, je n'ai plus de garder, je n'ai plus même te bien récompenser de ton zèle. Malgré cela, il t'est venu dans l'esprit de faire ma fortune. En vérité, il n'est point de reconnaissance que je ne te doive. Laissons cela, monsieur. Tenant en un mot, je suis content de vous. Mais toujours plus. Vous êtes un excellent homme, un homme que j'aime. Et si j'avais bien de l'argent, il serait encore à votre service. Quand pourrais-je reconnaître tes sentiments pour moi ? Ma fortune serait la tienne, mais je n'attends rien de notre entreprise que la honte d'être envoyé demain. Eh bien, vous vous en retournerez. Mais cette femme-ci a un rang dans le monde. Elle est liée avec tout ce qu'il y a de mieux. Veuve d'un mari qui avait une grande charge dans les finances. Et toi, tu crois qu'elle fera quelque attention à moi ? Que je l'épouserai, moi qui ne suis rien. Moi qui n'ai point de bien. Point de bien, allons, allons. Vous moquez. Il y a point de plus grand seigneur que vous à Paris. Quelle chimère. Notre affaire est infaillible. Absolument infaillible. Me semble que je vous vois déjà en déshabillé dans l'appartement de madame. Oui, je le soutiens. Vous êtes actuellement dans votre salle et vos équipages sont sous la remise. Tournez-vous un peu que je vous considère encore. Hein? Là, voilà une taille qui vaut toutes les dignités possibles et votre bonne mine est imperdue.
Elle a plus de 50 000 livres de rente, tu vois. Ça en est bien 60 pour le moins. Et tu me dis qu'elle est extrêmement raisonnable. Tant mieux pour vous. Et tant pis pour elle. Si vous lui plaisez, elle en sera si honteuse, elle se débattra tant, elle deviendra si faible qu'elle ne pourra se soutenir qu'en épousant. M'en dirai des nouvelles. Vous l'avez vue ? Vous l'aimez ? Je l'aime. Avec passion, et c'est ce qui fait que je tremble. Oh. Vous m'impatientez avec vos terreurs, mais que diantre. Un peu de confiance. Vous réussirez, vous dis-je. Je m'en charge. Je le veux. Je l'ai mis là. Nous sommes convenus de toutes nos actions. Toutes nos mesures sont prises. Je connais l'humeur de ma maîtresse. Je sais votre mérite. Je sais mes talents. Je vous conduis. Et on vous aimera, toute raisonnable qu'on est. Et on vous épousera, toute fière qu'on est. Et on vous enrichira, tout ruiné que vous êtes. Entendez-vous ? Fierté, raison, richesse. Faudra que tout se rende. Quand l'amour parle, il est le maître. Et il parlera. Adieu, je vous quitte, j'entends quelqu'un, c'est peut-être Monsieur Rémy. Nous voilà embarqués. Poursuivons. À propos, tâchez que Marton prenne un peu de goût pour vous. L'amour et moi, nous ferons le reste.